Hey yo les gens, c'est Razan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 12. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur FIFA 12. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. En fait, la première, c'est que j'avais fait une vidéo sur FIFA 12 avec un youtubeur, un autre youtubeur. Et en fait, on avait fait un petit dual commentary sympathique et tout. Sauf qu'en fait, il y a eu un problème de son lors du rendu et du coup, en fait, on n'a pas pu la publier. Et en fait, c'est pour ça que j'avais pas prévu de vidéo de FIFA. Enfin, une autre vidéo FIFA que celle-ci. Du coup, j'ai pas pu vous en proposer. Donc, ça, voilà, je m'en excuse pour ceux qui attendaient une vidéo de FIFA. Donc, là, voilà. Mais alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Et la première chose, c'est tout simplement. Donc, cette personne-là avec qui je devais faire un dual commentary. Donc, c'est Ultimate FIFA French. Et en fait j'ai donc il m'a contacté et en fait on a vraiment sympathisé et du coup on va vraiment vous proposer beaucoup de contenu sur FUT et donc ça je pense que vous en aurez vraiment beaucoup de FIFA donc ma chaîne sera extrêmement active hein, en ce moment à partir du 12 août ma chaîne sera très active au niveau Call of Duty, au niveau du Let's Play, au niveau de FIFA, au niveau d'un petit peu n'importe. Enfin, pas n'importe quoi. Un petit peu au niveau de tous les jeux. Enfin, de tous les grands. Enfin, ce que vous retrouvez dans ma chaîne régulièrement, il y en aura en grande quantité à partir du 12 août. Voilà. Donc, on est parti. Donc, il y aura beaucoup de. Il y a du lourd qui arrive. Dont un très gros projet qu'on va mener ensemble. Et ça va vraiment être pas mal du tout, je pense. Alors ensuite, l'autre point que je voulais aborder, c'est tout simplement une idée de concept. Donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires vraiment une idée de concept. Je vous avoue que j'ai pas vraiment de concept parce que, en fait, évidemment, je pourrais en avoir. Mais rien qu'en faisant une vidéo où je présentais un petit peu mes équipes, on m'avait dit, voilà, ça ressemble beaucoup à du Rooney HD. Et donc ça, je vous avoue que ça m'a vraiment vexé, quoi, parce que je me suis dit, voilà, j'essaie de proposer des vidéos sur FUT et puis, on dit que c'est du plagiat, hein, enfin, on dit que c'est. Ça ressemble énormément et donc du coup je me suis dit, oula, 1, 2, 3, je me suis posé la question qu'est-ce que je vais faire sur FUT? Parce que à la fois, soit je vais proposer des choses peut-être originales mais pas très intéressantes, ou alors quelque chose de plutôt banal mais qui peut être très intéressant pour vous. Voilà, c'est vraiment la question que je vous pose. Hein. Je voudrais vraiment savoir si, par exemple, j'avais dans l'idée de faire. Des bâtissons en équipe, on va dire de Rooney HD, donc ça voilà. Je vais pas non plus vous cacher, je me suis enfin c'est vraiment inspiré de lui, mais après, je pense que FUT c'est beaucoup moins étendu que FIFA 12 que Call of. Il y a beaucoup moins de concepts à réaliser sur FIFA que sur Call of Duty, et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'innover sur FIFA. Donc en fait, ça serait vraiment faire des équipes. Donc je monte une équipe, mais en fait, ça serait vraiment des tutos. Et dans l'optique d'acheter des équipes les moins chères possibles. En fait, ça c'est vraiment pas de grosses équipes, pas de gros joueurs, mais vraiment que des petites équipes, pas chères, à moins de 1000 crédits, peut-être pas 1000 crédits, à moins de 10 000 crédits. Enfin, vraiment des équipes très très bien, très originales aussi, et à moins de 8 000 crédits. En fait, donc voilà, j'avais comme idée, après je sais pas, vous me dites dans les commentaires si ça peut vous brancher. Une idée de, en fait, ce serait, voilà, tout simplement. Bâtissons une équipe, je pense que je l'appellerai comme ça. Bâtissons une équipe à moins de 10 000 crédits. Et après, je mettrai donc le thème. Donc, ça pourrait très bien être une équipe nationale. Ça peut être un championnat méconnu. Enfin, des choses comme ça. Donc là, je vous dirai carrément mes choix, mes conseils. Car j'ai quand même pas mal d'expérience sur FUT. Après, vous pouvez voir mes stats. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Je sais pas si je vous l'avais déjà précisé. Mon bilan, c'est 85 victoires, 2 matchs nuls et 82 défaites. C'est vraiment pourri, hein, je pense que tout le monde peut le dire. Mais c'est pas vraiment de ma faute. Après, je ne cherche pas d'excuses. C'est tout simplement que ma connexion et j'arrive pas. Sur FIFA 12, elle se découpe souvent. J'ai des coupures internet souvent sur FIFA. Je sais pas pourquoi. J'essaie de solutionner ce problème depuis longtemps, mais j'y arrive pas. Plusieurs fois, j'ai raté une finale, par exemple, à cause d'une connexion, donc j'ai dû perdre. Plusieurs fois, j'étais en demi-finale, pareil, j'ai dû déconnecter et du coup, j'ai perdu le match. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois, et voire des 20, des dizaines de fois, hein, voire ouais, vraiment, vraiment des dizaines de fois. Et c'est vraiment très pénible. Et j'essaye vraiment de solutionner ce problème, car mes stats sur le papier sont vraiment, vraiment pas terribles du tout. Et ça, c'est sûr que ça ne représente pas mon niveau sur FIFA.
Voilà, donc petite parenthèse finie. Et l'autre projet, donc ça serait des affaires. En fait, ça serait tout simplement chaque semaine aurait son joueur. Chaque semaine, je consacrerai mes parties FIFA à un seul joueur. Et je mettrai un petit peu des séquences de gameplay pour un petit peu vous le présenter. Donc, ça serait vraiment. Et ça serait un petit peu dans la même optique que les bâtissons en équipe. Ça sera très bon joueur. Enfin, je sais pas comment je vais appeler ça. À moins de 1000 crédits. Cette fois-ci, ça sera à moins de 1000 crédits. Donc, je vous assure qu'à moins de 1000 crédits, on peut trouver vraiment des très très belles pépites. Et. Donc voilà, donc ça serait mes deux projets. Donc bâtir son équipe à moins de 10 000 crédits et très bonne affaire à moins de 1000 crédits. Voilà, donc on va commencer un petit peu à jouer. Alors pour cet épisode, donc j'ai pas vraiment de but précis. Tout simplement qu'en fait, j'ai commencé une petite compète et je arrive en finale. Donc j'avais tout simplement envie de faire un petit peu la finale avec vous. C'est plutôt sympa. Je pense qu'une finale, il y a toujours un peu d'enjeu et du coup, je pense que vous allez prendre du plaisir. Surtout que bah, l'adversaire en face risque d'être plutôt performant. Je vais juste. Mince, je me suis trompé. Je vais juste un petit peu vous présenter mon équipe. L'équipe italienne. Tout simplement parce que j'ai vraiment été bluffé par cette équipe italienne lors de la Coupe du Monde. Et j'avais vraiment envie de me faire une équipe italienne. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Du Balotelli, du Maggio. Bon, là, c'est du Glacierini. Oula, quel accent. Ensuite, j'ai du Giovinco. Ça, c'est un joueur très très fort. Pirlo, tout le monde le connaît. Marchizio. Abate. Ça, je crois que c'est. Bocchetti, j'ai du mal avec ce prénom, avec ce nom pardon, Bonucci et Balzaretti et là c'est Abbiati. Donc au niveau des remplaçants, bah, j'ai vraiment pas vraiment de choses intéressantes à part Sanson et Astori qui sont vraiment deux bons défenseurs que je peux vous conseiller. Donc je joue en 4-3-2-1 tout simplement parce que j'avais mon Balotelli en 4-3-2-1 et je voulais un petit peu m'inspirer de ça et surtout que l'Italie joue avec trois milieux. Donc du Martizio, du Pirlo, et puis d'habitude c'est du De Rossi, mais moi j'ai préféré mettre du Giovinco. Donc entraîneur c'est Sir Alex Ferguson, donc voilà j'ai à peu près tout dit, je pense qu'on est parti. Et on va essayer de faire un bon résultat face pour cette finale, puisqu'il y a quand même 5000 euros, 5000 crédits à la clé. Donc on va essayer de pas trop faire n'importe quoi, et on va essayer de se concentrer un peu. Sachant que j'ai la volonté, oula, bonne équipe française, des très bons joueurs. Il y a du Sacco, il y a du Thierry Henry, il y a du Menez, il y a du. Ouais, c'est même. Ouais, c'est. Non, j'allais dire c'est la même composition que moi, mais non. Mais c'est vraiment une très bonne équipe d'ailleurs. Et je pense que ça sera un petit peu à armes égales. Équipe française contre équipe italienne. Donc ça peut être sympa comme match. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Et donc voilà, et je vous disais quelque chose, c'est que j'ai la volonté de faire une équipe africaine. Alors au niveau de l'équipe africaine, il n'y a pas beaucoup de joueurs, hein, ça c'est vrai que c'est dommage. Au niveau de l'équipe africaine, je pense que je vais plutôt m'orienter vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est vraiment une source de talent. Bon, évidemment, il y a du Drogba emblématique. Il y a aussi du tout ce qui est Kalou, il y a du Romaric. Romaric qui est un très bon joueur. Il y a vraiment plein de joueurs, il y a du Touré, il y a deux Touré même. Il y a quoi d'autre? Il y a du Doumbia, enfin vraiment il y a vraiment de quoi faire, hein. Ça c'est sûr et certain. Et je trouve que c'est vraiment pas très commun de voir une équipe africaine. Donc on va essayer de se concentrer un peu là. Je vais essayer d'en faire une tout simplement parce que j'aime bien être dans l'originalité. Et c'est vrai que bon, j'ai une équipe brésilienne, vous allez me dire niveau originalité, Il n'y a pas pire, on va dire. Mais bon, j'aime bien dribbler, donc c'est pour ça que je me suis fait une équipe. Mais c'est vraiment pas du tout mon équipe que je préfère. C'est l'équipe, peut-être ma meilleure équipe sur le papier. Mais c'est vraiment pas la meilleure équipe au niveau. Enfin, c'est pas vraiment la meilleure équipe que je sais contrôler. Enfin, c'est pas l'équipe que je sais la mieux contrôler, voilà. C'est un petit peu un menu pinceau. Ouh, c'était risqué quand on passe ça. Donc voilà, donc c'est vrai que pour FIFA, je prends plaisir à faire des vidéos sur FIFA, mais c'est vrai que je recherche un peu un thème, un petit peu une ligne de conduite de ma chaîne, en ce qui concerne le FIFA. Hein. Car là, c'est bon, je pense que je suis lancé au niveau du Call of Duty, j'ai un petit peu trouvé ce qu'il me fallait. Je pense que ça vous plaît, enfin, j'ai pas encore commencé, mais bon, en tout cas, ça me plaît énormément ce que j'ai un petit peu prévu. Et je pense que ça va vraiment vous plaire aussi, et je pense que c'est la bonne formule. Oh, peut-être le but. Oh oui, Giovinco.
Bien joué, Jovinko. Alors ça, Jovinko, très très bon joueur. Un joueur méconnu, parce que je pense pas que beaucoup le connaissent en tant que joueur, on va dire, dans la vraie vie, on va dire, dans en vrai. Il est pas très connu, et pourtant, sur FIFA, c'est quand même un joueur plutôt réputé. Il a quand même... Il a, oui, ça y est, il a acquis sa réputation de très très bon joueur italien. Et je pense que les... Oula. Les nombreuses équipes italiennes qui sont disponibles, enfin qui sont... qui apparaissent dans le live contiennent un Jovinko. Ça, je pense que à peu près toutes les équipes possèdent un Jovinko. Ouais. Donc on va essayer de pas dire trop de conneries. Ça, c'était mal joué. Hey, peut-être le deuxième but là. J'aime bien ces situations, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais en fait, non, Madio, c'est un peu craqué. J'aime bien ces situations comme ça où on avance. Souvent, on est en supériorité numérique et du coup, bah, on a vraiment le choix. On attend que l'adversaire fasse un mouvement. Donc, s'il part à gauche, on va passer au joueur de droite. Si je sais pas, moi, s'il bouge pas, on va essayer de le dribbler. Enfin, c'est ce genre de situation que j'aime bien. Touche rapide que je n'apprécie pas du tout. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait. D'habitude, je préfère temporiser un peu. Évidemment à Balotelli devant. Balotelli qui a fait vraiment un très très bon euro. Hein. Euro, oui, un très bon euro, on va dire plutôt. Enfin, non, je pense qu'il y a la liaison. Très bon euro, ouais. Et ben, c'est vraiment. Comment dire. Il a vraiment été remarqué par à peu près tout le monde. Ou peut-être non, dommage. Notamment face à ses deux buts contre à l'Allemagne, pardon. Oula, attends, ça va être compliqué là par contre. Allez, Bonucci, montre ta puissance un peu. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ouh! Ouh! C'était chaud, mes amis. C'était chaud, chaud, chaud. En plus, on est en finale, donc l'adversaire vraiment à un bon niveau. Non, c'est bon, ça, c'est dans mes mains. Dans la main du gardien. Oui, donc, j'utilisais, oui, notamment face à ses deux buts face à l'Allemagne, hein, où il a fait, on va dire, une célébration plutôt remarquée. Enfin, c'est, je pense que vous savez de quoi je parle. Quand il a enlevé son maillot et qu'il a vraiment montré vraiment sa musculation de bête, hein, on peut le dire. Hein. C'est vrai, et vraiment, on va dire que il est bien bâti. Hein, on va pas dire le contraire. Non, ça, j'ai voulu faire une feinte. Je sais pas si ça vous arrive des fois. Vous voulez faire une feinte de frappe ou une feinte de tir, une feinte de frappe ou une feinte de centre, parce que tir et frappe c'est la même chose. Et puis vous craquez à moitié, vous tirez en fait. Et je sais pas si ça vous est arrivé. Enfin, si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive souvent. Et je vous avoue que c'est pas vraiment franchement enfin c'est pas bien quoi, tout simplement. Là je me suis tué tout simplement parce que j'ai cru que ça allait en pleine lucarne. Mais non, heureusement pour moi. Donc il n'y aura qu'un match hein. Petite vidéo courte sur FIFA, enfin courte, façon de parler, car les vidéos de FIFA sont toujours plus longues que celles de Call of. Mais en tout cas ce sera une petite vidéo. Petite vidéo comme ça, j'ai envie de vous proposer du FIFA. Et puis, bah, sachant que j'étais en finale, je me suis dit pourquoi pas. Bon, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Hein. On mène, on va essayer d'en remettre un hein, tout simplement parce que bah, on sera plus à l'abri. Hein. Ça, je pense que. Oh oui, peut-être, ouais, c'est bon. Oh non, c'est sérieux ce que je viens de faire. Vous y croyez-vous? Oh la honte! Ce que j'ai raté. En fait, je voulais pas vraiment faire la passe. Je me suis dit, la passe, c'est un petit peu dégueulasse. Oui, mais pause, bon, bah d'accord. C'est un petit peu dégueulasse. Donc, je me suis dit, on va essayer de centrer. Et en fait, totalement raté. Là, j'ai perdu toute crédibilité, on va dire. J'ai vraiment fait, mais n'importe quoi. L'adversaire, je crois qu'il prend pas de risque. Je crois que c'était celui qui. C'était Henri qui s'était pris un carton. Je crois que c'est ça. Parce que tout de suite après le carton, il a fait un changement, donc je pense que c'était ça. Allez, Jovinko, peut-être le doublé. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est dommage. C'est dommage qu'il arrive hors jeu. Et ouais, donc j'ai perdu toute crédibilité là. Je vous disais que j'avais un putain de niveau. Enfin, un putain de niveau, non. J'ai jamais prétendu avoir un putain de niveau. Mais je pense avoir quand même un niveau correct. Et bah, là, je vais rater vraiment une occasion, mais immanquable, hein, je pense que on peut le dire. Allez, Balotelli. Ah, dommage. Ouais, un homme manquable et c'est un petit peu honteux, disons. Ça passe des fois. Hein. Je le tente. J'ai déjà, en fait, avant, je le tentais jamais. Une fois, j'avais pas fait exprès. Je voulais passer, j'avais fait ça. Et puis, j'avais marqué un but. C'était, je crois que. Oh,
je vais peut-être pas m'avancer, mais je crois que c'était avec mon équipe du Brésil, ça devait être avec Ronaldinho, je crois. J'avais tiré. Et j'avais vraiment mis un superbe but. Et depuis, bah en fait, des fois je le tente. Bon, je vous avoue que ça rentre pas souvent. Y a pénalty ? Ah non. J'ai flippé là. Je me suis dit, d'accord, épaule contre épaule, c'est moi qui devrais bénéficier de la faute. Non, c'est bon, c'est le cas. Oula, oula, oula. Oh, bien joué à lui. Et puis moi, je tombe dans le panneau comme un con. Ah, j'ai de la chance, les amis. J'ai de la chance aujourd'hui. Là, je sais pas ce que j'ai. Mais en tout cas, je suis vraiment. J'ai le cœur de Noé. Allez. Oh là là, quel jeu en passe, l'Italie. Oh là là, allez. Marchizio, il a plus de forme, Marchizio. Peut-être falloir lui mettre une petite carte. Oh non, l'erreur. Oh non, l'erreur. Eh bien, c'est moi qui vais en faire qu'une bouchée. Mais j'ai de la... Oh my god, on va dire. Oh, mais c'est pas vrai d'avoir autant de chance, quoi. Je veux dire, là, j'ai... Sur en 3 actions, j'aurais dû me prendre 3 buts, là. Hein. Vous rendez compte un petit peu de la veine que j'ai eue, là. Pff, si je la gagne cette finale, vraiment, désolé pour toi. Hein. Je sais pas comment tu t'appelles. Enfin, le son pseudo, j'ai pas vraiment eu le temps de le regarder. Mais en tout cas, bah, si je gagne cette partie, bah, t'auras tout essayé. Hein. Enfin, en tout cas, dans la première mi-temps, t'auras vraiment fait... t'auras vraiment eu pas de chance. Et... c'est dommage pour toi. Bon, attends, ça se trouve, il va m'en mettre 3 et je vais pleurer après. Mais pour l'instant, oui, il a raté vraiment énormément de choses. J'allais dire quelque chose, mais en fait, ça n'a rien à voir avec FIFA, donc je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour ceux qui ne regardent pas mes vidéos de Call of Duty, même quand je marque en gros très important. Donc je dis ça, voilà, ceux qui sont là pour le FIFA. Je ne serai pas... je pars en vacances pendant 3 semaines à Barcelone. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il n'y aura pas de vidéo pendant 3 semaines. Et je vous dis ça un petit peu rapido, comme ça. Tout simplement. Parce que... Oh, bouffonne. Oh, bouffonne. Tout simplement, voilà. Je vais le dire un peu plus en détail lors d'une vidéo sur Call of. Donc, il y aura un petit gameplay en fond et je parlerai. Donc, ce sera un gameplay différé. Et j'en parlerai. Mais je vous le dis quand même, voilà, vite fait. S'il n'y a pas de vidéo pendant 3 semaines, c'est normal, je suis en vacances. Et donc, il n'y aura pas de vidéo de FIFA, ni de Call of Duty, ni d'un let's play sur ma chaîne pendant 3 semaines. Voilà, donc je vous le dis ça comme ça. Si vous voulez plus de détails, bah, je vous invite à regarder la vidéo de Call of Duty. Et aussi, bon, pour ceux qui quand ils voient que c'est du Call of Duty, quand ils voient par exemple la miniature, quand ils voient que c'est du gameplay de Call of Duty, mais même quand c'est marqué important, ils ne la visionnent pas. Bah, je vous assure franchement que même si c'est du Call of Duty, faites un effort. Si Call of Duty vous sort par les trous de nez, bah, regardez quand même. C'est vraiment un effort qu'il faut faire. Car je dis souvent des choses très très importantes. Et c'est vraiment très important de visionner ces vidéos, car je dis vraiment des choses. Oh bah Balotelli, voilà. Là, bon, là vous voyez encore Balotelli, très bon de la tête, tête sur le gardien, mais bon, très bon Buffon, et ensuite la reprise en pleine lucarne. Donc 2-0, je pense qu'on est bien parti pour gagner cette finale et ça fait extrêmement plaisir parce que 5000 crédits, ça fait quand même du bien au porte-monnaie. Et je vais peut-être pouvoir me faire un peu, ou peut-être que je vais économiser pour mon équipe ivoirienne. Sinon, dites-moi dans les commentaires si vous, par exemple, vous aurez un fantasme, c'est un peu gros comme expression, mais si vous avez envie par exemple d'une équipe en particulier, moi je vous la fais, hein. Enfin je vous la fais. Ça dépend, si vous me dites une équipe avec du Messi, du Cristiano Ronaldo, enfin vraiment des gros joueurs, bah, je serais obligé de vous dire non. Mais par exemple, je sais pas moi, une équipe africaine, voilà, ce serait vraiment une équipe africaine. Si vous avez des conseils à me donner sur une équipe africaine, je sais pas moi, petites idées, bon, je la ferai moi-même. Mais oula, peut-être la butte. Oh là là, oh magnifique, Gracierini. Ça me fait penser à des pâtes, les Gracierini. On dirait les pasta d'Italia. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, je crois qu'en plus il y a des pâtes qui s'appellent à peu près. Non, c'est Knocchi.
Enfin, je sais plus. Enfin, bref, je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu une équipe africaine. Et, ou alors quelques conseils, comme des très très bons joueurs, comme des joueurs argent ou des joueurs or, qui sont peut-être méconnus, mais pourtant qui sont extrêmement, extrêmement forts sur FUT. Donc là, vous voyez que je suis à 3-0, donc je pense que plus rien ne va pouvoir empêcher ma victoire. Et ça fait extrêmement plaisir, parce que non seulement je vous propose des buts, je vous propose plutôt un bon gameplay, puisque je gagne 3-0, donc ça va. Et en plus, bah, je vais gagner une grosse somme à la fin de la vidéo, donc ça fait extrêmement plaisir. Je vais faire attention quand même, parce que bon, 3 buts, c'est quand même remontable. Hein. Ça va être très compliqué pour lui, mais ça peut être remontable, donc on va pas s'en prendre un du tout. Et puis en plus, pour ceux qui ne le savent pas, on gagne beaucoup plus de crédit si on ne prend pas de but. Donc on va essayer de pas prendre de but. Donc voilà. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est un petit peu réaliste. La France contre l'Italie, c'est l'Italie qui gagne. Bon, je dis ça, mais pourtant, justement, je suis vraiment 100% français. Même si bah, elle n'est pas du tout à la hauteur, même si beaucoup la critiquent. Moi, je la supporte toujours. Il y en a qui ont vraiment perdu espoir en l'équipe de France, qui ont perdu l'amour de l'équipe de France. Et bah, moi, j'en fais pas partie. J'ai toujours de l'espoir, j'ai toujours de l'amour pour cette équipe. Et donc voilà. Histoire d'amour entre moi et la France. Non, sérieusement. Comme Marseille, hein, d'ailleurs. Parce que je crois que je l'avais dit dans une précédente vidéo, je sais pas. Non, je crois pas que je l'avais dit. Moi, mon club de cœur, c'est Marseille. Bon, j'habite pas Marseille, mais on va dire que j'habite dans une ville qui, à ce jour, est en national. Vous comprenez bien que je la supporte, hein, cette équipe. Mais c'est difficilement. Enfin, je veux dire, personne ne la connaît. Enfin, c'est tout. Enfin, comment. Ah là, je m'en mêle les pinceaux. Je pense que vous la connaissez, mais à la fois. C'est difficile de dire voilà, je suis pour cette équipe, je suis à fond derrière elle, alors qu'elle est qu'en national, vous voyez ce que je veux dire. C'est plus facile d'être supporter d'une équipe en première division qu'en troisième. Ça, c'est évident. Donc voilà, et au niveau de la Ligue 1, je suis tout simplement pour Marseille. Ça c'est vraiment depuis de nombreuses années, j'ai envie de dire. Et pour le 4-0, Balotelli, voilà, frappe sèche, en plein petit filet. Enfin. Oui, en petit filet, je crois que j'ai touché le petit filet, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais je crois que je dois pas être loin. Bon, bah 4-0, hein, j'ai envie de dire tranquille. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il a pris. Enfin, je crois que c'était marqué Ita sur son équipe. Je crois que son équipe, il l'a appelé Ita. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est italien. Ah, bien joué à toi, ça fait 4, hein. Si t'es italien et que tu joues une équipe de France et que je suis français et que tu joues une équipe italienne, je trouve que c'est plutôt marrant. Bah désolé à toi, mais t'aurais dû garder ton équipe nationale. Et c'est là que je prends 3 buts comme ça, une flèche et que je me sens tout con après, mais non, je pense 86 minutes. Oula, j'ai. Je crois que j'ai fait un geste bizarre. J'ai pas vraiment remarqué, mais je crois que j'ai fait un geste bizarre. Et son pied gauche, hein, il est très très bon pied gauche. Ah! C'est dommage. Allez, un petit but de Pirlo. Non, 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 d'accord. On va peut-être s'en prendre un deuxième. Ouais, bon, c'est le deuxième. Attendez, on va essayer de bien négocier. Ouais, non. C'était impossible à négocier, ça. Je fais vraiment plus attention. Hein. C'est peut-être pour ça que je me prends des buts à la con, mais. Mais bon, c'est pas très grave. Ce sont 4-2. Voilà, j'ai peut-être perdu 20 crédits. Mais bon, vu que je vais en gagner plus de 5500, je pense pas que je vais me plaindre. Donc voilà. Allez, Maggio. Il n'y a vraiment plus beaucoup de forme, Maggio. Alors, il aurait été sur le ballon si. Ah, ça y est, j'ai gagné. S'il avait été en pleine forme, mais là, il n'y a vraiment plus beaucoup d'énergie. Donc voilà. Wouhou! Vainqueur de la Club Or Country Club Cup. Félicitations, profitez de vos récompenses. Bah écoutez, merci beaucoup. Hein. Donc 5000, ça fait 5500, voilà, comme je l'avais dit. Et on va continuer. Hein, et donc voilà, j'ai bien envie de vous acheter un pack. Tout simplement, voilà. Mais je pense que si je le fais, ça sera vraiment dans une courte vidéo. Pour vraiment que, bah, que tout le monde voit que je fais une ouverture de pack. Donc voilà.
J'ai plus grand chose à vous dire, hein, si ce n'est que bah, j'ai un nouveau trophée, donc c'est mon 7e. Donc ça fait plaisir, hein. En plus j'étais en votre compagnie, donc c'est encore plus plaisant. Et moi je vous dis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et ciao à tous.